Whether in the deepest parts of the ocean or just a few hundred meters below the sea's surface along volcanic faults, the Earth's crust is in full effervescence. What effects can these fluid emanations have on marine life and climate? To understand and anticipate their impact, a scientific expedition led by two researchers from the CNRS and the IRD is boarding the French oceanographic vessel, Atalante. On board, some 30 international specialists will study physical, chemical, and biological parameters from the atmosphere to marine sediments. L'objectif de la mission est d'étudier d'où viennent les fertilisations en fer que l'on trouve dans le Pacifique sud-ouest et qui seraient à l'origine de grosses efflorescences de microalgues dans la région. Comment ce mécanisme-là va alimenter donc le cycle du carbone de cette zone immense de l'océan et donc on améliorera notre compréhension à l'échelle globale du climat et comment, si ces mécanismes peuvent changer, ils vont affecter le changement climatique. Before the departure, sailors and scientists are hard at work. The laboratories must be set up quickly, and every bit of space on the vessel is exploited. Numerous and sometimes innovative installations on board an oceanographic vessel. On a tout d'abord un conteneur propre qui va nous permettre de faire l'inventaire de tous les stocks d'éléments chimiques et leurs isotopes dans la colonne d'eau, en dehors des volcans et au-dessus des volcans. Ensuite, on a un autre conteneur propre, c'est-à-dire un petit peu salle blanche, avec des grands mini-cosmes, des sortes de grands aquariums de 300 litres qui vont nous permettre d'étudier la réponse de la biologie à des apports croissants de fluides issus des volcans. On a un conteneur qui s'appelle Pegasus qui nous permet de collecter tout ce qui est dans l'atmosphère. On a un conteneur radioactif qui nous permet de mesurer des flux d'assimilation des éléments qu'on appelle d'intérêt biogéochimique pour mesurer quelle est la production en surface de l'océan, que l'on va comparer ensuite à ce qui est exporté sous forme de neige marine au fond des océans. Donc ça, ce sont les conteneurs laboratoires qu'on a à bord. Et ensuite, on a 5 laboratoires qui sont attachés réellement au bateau, avec essentiellement des traitements d'échantillons. Et on mesure quelques espèces chimiques aussi à bord du bateau, donc notamment l'ammonium, l'oxygène, le méthane, le CO2 et le fer de feu. The mission has been thought out far in advance. For more than 2 years, the scientific team has been working on the choice of onboard instruments, their deployment strategy, and the experiments planned onboard. But the ocean is so vast and its depths so little known that it remains imperative to be able to adapt. The close collaboration between sailors and scientists is being organized. Thus equipped, the vessel Atalante is now a unique floating laboratory, ready to set off in search of shallow underwater volcanoes. It is these volcanoes located between 100 meters and 500 meters deep that could interfere with life on the surface and with the atmosphere. It is in fact at this interface between ocean and atmosphere where much of our climate is shaped. The time has finally come to cast off. Leaving New Caledonia, the fatigue of preparing the mission and the vessel gives way to the excitement of departure. The exploration can finally begin. The ocean plays a major role in climate regulation.
It absorbs nearly one-third of the CO2 emitted by human activities, in particular thanks to the phytoplankton which carries out photosynthesis. Among these primitive organisms, cyanobacteria are sometimes observed in large numbers on the surface of the ocean. These blooms surprise scientists. How can we explain this explosion of life in the middle of the ocean where nutrients are scarce? Is there any link with volcanic emissions? Le déroulé de la mission, donc on va d'abord faire un grand transect, un trajet depuis la Nouvelle-Calédonie jusque dans le GIR, c'est-à-dire un trajet de 2000 km environ. Ça c'est pour caractériser en fait les deux grandes provinces océaniques qu'on va étudier, celle des archipels mélanésiens dont fait partie la Nouvelle-Calédonie et celle du GIR. Et entre les deux, il y a une barrière qui s'appelle l'arc volcanique de Tonga. Donc après ce grand transect de 2000 km, on va revenir sur l'arc volcanique de Tonga et étudier très précisément deux volcans pendant quasiment une semaine chacun. Et le gros challenge va être d'abord de localiser des volcans actifs qui émettent des fluides. What's going on in this immense blue desert? A border seems to be taking shape along the arc of Tonga. With more than 3,000 kilometers of volcanic faults, it is one of the areas where the density of underwater volcanoes is the highest in the world. The result of the brutal encounter between the Australian and Pacific plates. Donc il y a vraiment un problème de connaissance. Comment ces volcans très peu profonds alimentent les eaux de surface en éléments chimiques qui vont permettre ensuite de nourrir une partie de la biologie de ces zones. Sur les fertilisations en fer, nos résultats isotopiques qui ont montré qu'on était dans un hotspot de fixation d'azote, qui avec toute la dynamique de la région nous a amené à émettre cette hypothèse qu'on avait des infusions de fer au niveau des volcans de Tonga. Voilà, on cherche à expliquer pourquoi ici plus qu'ailleurs. On pense, on a beaucoup d'éléments qui nous permettent de penser que c'est le fer. The iron contained in the heart of underwater volcanic emissions could be at the origin of these microscopic algae blooms, and thus of this oasis observed in this desert region of the Pacific Ocean. Indeed, to develop, phytoplankton use carbon dioxide, solar energy, and other nitrogenous nutrients, such as nitrates, which are sorely lacking in this area of the ocean. Thanks to iron, certain cyanobacteria are capable of directly capturing atmospheric nitrogen that is dissolved in seawater and making it available for assimilation by other plankton organisms. The phytoplankton at the base of the marine food chain could thus proliferate, removing carbon dioxide from the atmosphere and exporting it to the ocean depths. This is called the biological carbon pump. The challenge for scientists is therefore to quantify the effectiveness of this pump in this region. Donc on a eu plusieurs challenges, cibler une zone, trouver l'équipe, rassembler les fonds pour arriver à ce qu'on soit tous aujourd'hui à bord de ce bateau. Il fallait vraiment intégrer des chercheurs qui travaillaient sur la géochimie du fond, intégrer des chercheurs qui travaillaient sérieusement sur la chimie atmosphérique et en gros, comme je dis, faire tout du sol au plafond. Il y a réellement un enjeu de recherche fondamentale et j'insiste là-dessus parce qu'on est dans une dynamique actuelle où toutes les recherches doivent être appliquées et servir à quelque chose. La recherche fondamentale, ça sert au savoir. Savoir, c'est hyper important, les gens oublient ça. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. L'océan, on le connaît hyper mal, on connaît mieux l'espace que l'océan. On est en train d'observer avec le commandant les routes au jour le jour. On ne sait même pas la topographie du fond qu'on traverse actuellement. Bah, on voit l'apparition d'îles constamment, certaines ne sont pas répertoriées, d'autres le sont. Les volcans qui étaient à 200 mètres de profondeur, voilà, ne sont plus qu'à 50 mètres quelques années plus tard. Donc c'est un petit peu la grande surprise. Quand on va passer dans l'arc des Tonga, il va falloir qu'on soit très, très concentré. Je crois que le gros challenge là, c'est de réussir à trouver un volcan actif peu profond. Ça, cette partie-là, on est encore en questionnement. On verra. Si ça se trouve, il n'y aura pas de fluide. Si ça se trouve, il y en aura beaucoup. L'activité en ce moment sismique est très forte. Il vaut mieux aller taper où on a le plus de fauchés au large. On les voit, les profils. Le danger, c'est qu'après, on va partir avec la petite rosette et on va aller essayer de gratouiller. Ouais, mais moi, je pense que il y a un altimètre dessus. Oui. Et on ne va pas aller hyper vite. Et j'imagine que quand on va se retrouver aux endroits où tu penses avoir des sources, on va ralentir le bateau. Ça fait 200 mètres par seconde. Il a passé là-dessus. Voilà. Non, je pourrais.
After 9 days at sea exploring the region not impacted by volcanoes, the ship finally arrives on the site of the first target volcano. The strategy takes shape. If the volcano is active, it is a question of finding the precise place where the fluid emanation will be the strongest. A quest in search of the invisible, under the mirror of the ocean. A search of scale, one which is not without risk. Alors, en tant que commandant de navire océanographique, j'ai vu toutes sortes de missions. Celle-là, je la classe dans le type exploration. Ici, il faut s'adapter en permanence, en fonction de nos découvertes, en fonction des besoins scientifiques. Et là, c'est notre rôle à nous, en tant que marin, d'adapter le navire qu'on a sur notre navire, un multifaisceau qui nous permet de voir sur les côtés. Donc l'idée, c'est de faire une approche un peu, je dirais, en spirale, en partant des fonds les plus profonds, pour voir sur le côté les fonds qui le sont moins et pour pouvoir repasser sur ces fonds qu'on a découverts mais qui nous permettent de passer et donc qui nous permettent de naviguer en toute sécurité. Je pense que c'est là qu'il y a le truc. Tu peux peut-être passer au sommet et peut-être après avoir sur la topo, peut-être s'en décaler un petit peu à l'intérieur du cratère pour voir dépasser si on est juste sur la faille, donc elle a l'air un peu... At first, only the expert interpretation of the acoustic data displayed on the screens will confirm the initial hypothesis. The interpretation of the data is unequivocal. The volcano is active. The first information collected confirms that fluids and gases emanating from the volcano reach the surface. It is time to confirm the acoustic data with precise optical and chemical data and to make use of the rosette. To understand and measure the sea, it is essential for oceanographers to take samples. This carousel, equipped with bottles and numerous instruments and controlled from the surface, makes it possible to measure the depth, temperature, and salinity of the water, and to take seawater samples at strategic depths for analysis. Other instruments installed on this CTD rosette also make it possible to measure the quantity of particles in suspension, the concentration of plankton, and to evaluate the strength and direction of the currents. Marcel, Marcel, tu me reçois? Ouais, Dakar, je te reçois. Ok pour le zéro. Début de filage. Donc c'est bon pour moi, on peut commencer le filage 1 mètre par seconde à 2000 mètres, s'il vous plaît. Le capitaine, on suit 1 mètre par seconde. Début de filage. By measuring hydrological, optical, and chemical properties, the first objective of the scientists is to confirm the presence of volcanic fluids, including natural chemical elements, in trace amounts in the ocean, such as iron, which are generally present in small quantities, but are very necessary for life. To determine their concentration, their possible toxicity, and to understand the interaction of these inputs with the environment, a titanium rosette on a Kevlar cable is used in order to avoid contamination of the precious samples. The rosette is quickly stored in the specially designed container.
It is here, in this onboard clean room, that uncontaminated samples can be taken. It is understood that, to develop, phytoplanktonic organisms need carbon and nitrogen. However, to fix nitrogen, some of these organisms use a particular enzyme composed of 34 iron atoms. It is here that hydrothermal sources could play a decisive role in providing the iron necessary for nitrogen fixation. The water in these bottles has been labeled with isotopes of carbon and nitrogen. They are placed in these incubators that best reproduce the light conditions at different ocean depths, from light to dark, depending on the depth. After 24 hours of incubation, the water is filtered and then analyzed with a mass spectrometer to evaluate each station, the productive potential of the ocean, and the activity of nitrogen-fixing cyanobacteria. To understand the fate of plankton in the ocean, three drifting moorings were put in the water near the volcanoes being studied. They will make it possible to evaluate the fraction of organisms produced on the surface, which will be exported to the ocean floor, and thus to evaluate the capacity of this region to remove carbon dioxide from the atmosphere and thus reduce the greenhouse effect. Consisting of a set of instruments and sensors installed along a line of more than 1,000 meters, these moorings will allow scientists to make physical measurements of the water column, temperature, salinity, dissolved oxygen, and strength and direction of currents. These sediment traps will collect marine particles and allow the measurement of their concentrations at different depths. Thanks to various laboratory analyses, the collected samples make it possible to determine the downward fluxes of particles and carbon. They will also make it possible to identify nutrients, chemical elements, and their isotopes, and some toxic elements, such as mercury, for example. The maneuvers are long and delicate. Fragile instruments are handled with care. Launched close to identified hydrothermal emission sites, these moorings will drift following the ocean currents. Located thanks to a beacon, they will be recovered 5 days later. A traditional but delicate maneuver in the middle of the ocean when it is necessary to maneuver a ship of more than 3,500 tons and come close to the most fragile and sophisticated scientific instruments. Il est au 339. Mais 10 à gauche. 10 à gauche. Je mets 0 là-bas. 0 là-bas. Tu vas me mettre 30 à gauche là-bas. Et 200 tours sur le pont. À gauche sur le pont. Other instruments, real underwater robots, are deployed at strategic locations. They will carry out measurements between 0 to 1,000 meters of depth for several years, transmitting their data by satellite. Later, at the end of the mission, a fixed mooring is immersed. It is equipped with particle traps and innovative sensors that will collect data for a whole year near Tonga's volcanic arc. It will be recovered during a future mission. It is in one of the other clean containers, in a controlled bacteriological environment, away from heat and natural light, that another experiment takes place.
In these 8 large reactors of 300 liters each, seawater, pumped from near hydrothermal sources, was mixed in different proportions with surface water. The aim? To study the impact of hydrothermal emissions on the composition and functioning of the surface planktonic communities. In other words, to observe how volcanic fluids will act on their growth, their metabolism, and thus to quantify their impact on carbon fluxes. In containers, laboratories, or on deck, operations continue day and night, sheltered from outside conditions. Attention à toi, Hubert. Ouais, ouais. C'est bon? Tu peux ramener, hein. Je vais rentrer le portique. To understand the impact of shallow volcanoes and these complex mechanics, exploring the surface of the ocean is not enough. The scientific team needs to collect data from the atmosphere down to the deepest ocean floors. On 6 occasions, the corer will be sent down to 6,000 meters of depth to take samples representative of hundreds of years of sedimentation. This sediment, extracted from the depths of the ocean, will be analyzed later. Its granulometry, the concentration of metals, including mercury, and its genetic signature are all data that will undoubtedly reveal some mysteries. In this southwestern part of the immense Pacific Ocean, the emissions from shallow volcanoes could impact the global mechanics of the carbon cycle. The iron present in these underwater effluents would notably permit the proliferation of certain cyanobacteria capable of capturing nitrogen from the atmosphere and reducing the greenhouse effect, thanks to the biological carbon pump. C'est un petit peu du déplacement de carbone depuis l'atmosphère, dont on sait qu'elle contient trop de CO2 aujourd'hui, ce qui fait que la température de la planète se réchauffe, et c'est un problème auquel toute l'humanité doit faire face. On a la chance d'avoir un océan qui agit comme un puits de carbone qui va capter ce CO2 via 2 mécanismes, et le mécanisme qu'on étudie, c'est celui de la photosynthèse des algues. Donc la photosynthèse permet de soustraire ce CO2 à l'atmosphère, de l'amener dans l'océan. Et une partie de ces algues vont sédimenter, donc c'est ce qu'on appelle l'export vers les profondeurs, et donc séquestrer, on va dire, ce CO2 qui initialement était dans l'atmosphère et qui générait l'effet de serre, qui va se retrouver au fond de l'océan, donc qui va faire en sorte qu'il y ait moins d'effet de serre. After 37 days at sea, while the work of analyzing the data collected on board has only just begun, the first conclusions appear, likely confirming the hypotheses. Le bilan en termes d'exploration, je dirais qu'on a atteint notre objectif de trouver une zone active peu profonde qui amène des éléments nutritifs en surface. Donc ça vraiment, on a mis le doigt, et très rapidement, c'est un peu ça le truc fou, sur notre hypothèse. On a pu identifier au niveau des sources des caractéristiques typiques de sources hydrothermales, donc grâce à des mesures qui ont été faites à bord, mais l'essentiel des mesures vont être faites à terre parce qu'on ne pouvait pas embarquer tous les appareils par manque de place. Il y a clairement une différence d'échelle entre ce que nous on est capable d'étudier et ce qui se passe dans la réalité du fond de l'océan. En fait, on sait qu'au niveau de cet arc, il y a une kyrielle de centaines voire de milliers de volcans, et c'est vrai que nous, pour Tonga, on ne pouvait pas tous les étudier, donc on avait fait le choix d'en étudier 2, et on se disait, si on n'en a qu'un, ça sera déjà bien. Mais on est bien conscient que lorsque ce flot de fluide est amené essentiellement vers l'ouest, ce que l'on mesure, nous, dans la colonne d'eau, c'est le bilan net de l'ensemble, pas seulement des 2 qu'on a étudiés. Donc c'est là que va venir le travail, et je pense que la modélisation va vraiment venir en support à l'expérimentation pour tenter de comprendre en fait tous les processus au-delà de ce que nous on a étudié, quoi. Ce dont on s'est rendu compte, et qui était une grosse surprise, c'est de voir que finalement des fluides très peu profonds, il y en a partout dans cette région. Cette région, elle est grande, elle doit concerner
enfin, ce genre de phénomène doit concerner d'autres régions peu profondes de l'océan global. Pour le moment, ces sources ne sont pas prises en compte. Et je pense que c'est notre, vraiment la question qui va émerger de l'état actuel du projet. The role of these ocean regions, previously considered deserts, on the climate is still largely underestimated. Exploration and research work must continue. So much remains to be discovered and learned to better reveal the mysteries of the global oceans.